Amanda Lear, ça vous inspire quoi ce limogeage de Patrick Sébastien? Je comprends qu'il soit vexé, il a pris très mal. C'est surtout la méthode. Bon, il s'en doutait parce que ça fait très longtemps qu'il dit on ne m'aime pas sur France 2, je sais qu'il ne m'aime pas, il me trouve trop populaire, trop vulgaire. Donc je sais qu'il s'en doutait. Mm-hmm. Mais ce qu'il n'a pas apprécié, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'au lieu de l'appeler, on l'apprend en ouvrant le journal ou on vous le dit dans un couloir à propos, vous êtes viré. C'est pas très sympa. Mais je pense qu'ils font ça, ils ont fait ça aussi avec Julien Lepers, ils font ça de plus en plus. C'est moche, parce qu'on aime bien préparer sa sortie, quoi. Donc c'est plus un problème, on va dire, de diplomatie que le fait de séparer deux, ça vous choque pas? Non, se séparer d'eux, c'est inévitable un jour ou l'autre. On n'est pas à vie sur une chaîne. Donc, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudrait bien que ça s'arrête, comme PPDA, comme Claire Chazal, comme tous ces gens. Drucker, il y a encore, mais un jour ou l'autre, il s'en ira aussi. Donc, ça, c'est obligé que ça s'arrête. Mais, je vous dis, c'est la façon de le faire. Au lieu de vous faire une fête avec un pot de sortie, de dire, vous avez fait une carrière formidable sur cette chaîne, on vous remercie. Non, on vous jette. Et ça, c'est pas très sympa. Est-ce que vous pensez pas qu'il paye un peu aussi, tout simplement le prix de son tempérament? Est-ce que la télé c'est vrai qu'il est un peu comme moi, il n'a pas la langue dans sa poche et il dit ce qu'il pense. Ouais. Moi j'aime beaucoup les gens qui disent ce qu'ils pensent, mais parfois on est obligé de prendre des gants, voilà. Ce qui veut dire que pour vous aujourd'hui, ce serait peut-être un peu compliqué justement d'animer une émission de télé parce que justement ça obligerait à faire force de diplomatie, ce qui n'est pas forcément ce que vous préférez. Oui, je me vois interviewant une actrice, lui dire qu'est-ce que vous êtes moche dans ce film. On peut pas, alors on dit vous n'êtes pas très bien éclairé, vous savez, dans le film. Il faut prendre des gants, vous voyez, il faut. Et puis il y a aussi gérer tout simplement vos relations avec les dirigeants de chaîne. Ah, alors ça c'est autre chose. Alors moi j'ai beaucoup de mal, moi, ça. Pourquoi? C'est quoi? C'est justement. Il faut aller leur faire la cour, je suis pas très bonne dans ces trucs-là, non.